Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo ASMR. Aujourd'hui, on va faire une vidéo entièrement en ASMR, tu vois. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Bon, c'est déjà chiant en fait, je vais arrêter. Hey, c'est tout le monde, c'est Sionted. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler du nouveau système des boosts. Donc, les boosts vont changer sur Discord. Enfin, vous allez voir, c'est un petit changement qui va plaire à beaucoup de personnes. Personnellement, moi, ça me plaît. Donc, c'est super cool. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Ça me ferait super plaisir. Voilà, c'est gratuit. Hein. N'hésitez pas à liker. Ça me ferait super plaisir aussi. Et puis voilà. Pour les gens qui sont pas encore sur mon serveur Discord, n'hésitez pas à le rejoindre. Le lien est dans la description. Discord.gg/Hornaspace. Donc, voilà, les amis. C'est parti pour la vidéo. Let's go. Alors donc du coup cette vidéo va être très rapide puisque c'est un petit changement, vous allez voir, mais ça va plaire à beaucoup de gens. Dans ma dernière vidéo, il y avait beaucoup de personnes qui me disaient tout simplement que l'avantage était un peu nul pour, parce que c'était que pour les niveaux 2. Alors oui, c'est vrai parce que le niveau 2 il est un petit peu compliqué à obtenir, mais vous allez voir, grâce à cette nouvelle mise à jour, vous allez pouvoir avoir le niveau 2 beaucoup plus facilement. À l'heure actuelle, le niveau 2 est tout simplement à 15 boosts, mais vous allez voir que vous allez pouvoir avoir des boosts beaucoup plus facilement puisque tout simplement les boosts seront diminués. Donc pour le niveau 2, vous aurez besoin de 7 boosts pour être niveau 2. Et pour le niveau 3, vous aurez besoin de 14 boosts. Donc en fait, toutes les personnes qui sont niveau 2 actuellement passeront niveau 3. Et toutes les personnes qui sont niveau 1 resteront niveau 1 parce que ça reste à 2 boosts. Ou alors si vous êtes niveau 1 avec 7 boosts, vous passerez level 2. Donc voilà, maintenant c'est beaucoup plus facile à obtenir tout simplement des niveaux. Pas des boosts mais des niveaux. Donc si vous avez exemple 10 boosts sur votre serveur, et ben vous passerez tout simplement au niveau 2. Donc c'est super cool parce que comme le niveau 2, comme j'ai dit dans ma dernière vidéo, d'ailleurs n'hésitez pas à aller la voir si vous l'avez pas vu. Dans ma dernière vidéo, j'ai tout simplement expliqué une nouveauté sur les rôles avec des badges sur des rôles et qu'on pouvait avoir des badges dans le chat et tout. Donc c'était super cool. Et donc du coup, Discord enfin fait une bonne chose pour les petits serveurs parce que personnellement mon serveur est niveau 3 donc pour moi ça va pas changer grand chose. Pour les petits serveurs c'est vraiment très utile. Donc voilà, j'espère que beaucoup de gens apprécieront cette nouvelle mise à jour. Donc avant que tout le monde s'enfuit, je tiens à vous faire une petite annonce. Comme je suis une personne pas très originale, je vais tout simplement faire une FAQ. Voilà, parce que j'en ai jamais fait. La dernière FAQ que j'ai fait c'était à mes 150 abonnés. Mais qui était là mes 150 abonnés? Je crois qu'il y a personne actuellement, tu vois. Je vais faire une FAQ. N'hésitez pas à poser vos questions tout simplement dans les commentaires. Je prendrai des questions dans les commentaires. Et je prendrai principalement les questions sur Discord dans un channel que je vais créer quand cette vidéo sortira. Ça sera un channel FAQ. Vous pourrez tout simplement poser vos questions. Je prendrai en priorité des questions sur Discord, mais s'il y a des questions très intéressantes sur YouTube, j'en prendrai. Donc n'hésitez pas à dire en commentaire et sur Discord si vous voulez être sûr que j'y réponde. J'ai une autre petite annonce aussi à faire. J'avais fait une grosse pause sur Soundoria et tout simplement on l'a repris avec Sneko et Pixel, donc c'est super cool. D'ailleurs là ça va être le petit moment où on va remercier tout simplement les nouveaux subs. Donc je remercie aux personnes qui sont subs à ma chaîne YouTube, ça fait super plaisir. Merci à Shaun, merci à Greenfire et Matsu. Eh, arrêtez avec vos pseudos compliqués là. Mashiki. Voilà, on va dire ça comme ça. Si c'est pas ça, c'est pas grave. Donc voilà, merci beaucoup aux personnes qui soutiennent à ma chaîne YouTube, ça me fait super plaisir. Donc voilà, si vous voulez faire partie des gens qui soutiennent ma chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton rejoindre. Et puis voilà, vous êtes vraiment pas obligé, hein, franchement, c'est juste pour me soutenir tout simplement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. La vidéo est très courte, puisque comme je vous ai dit, il n'y a qu'une nouveauté, donc il n'y a pas grand chose à raconter, voilà. On va quand même voir s'il n'y a pas des nouveautés, tu vois, des petits trucs comme ça. On va pas santé, hein. De toute façon on va écouter la musique, tiens. Putain, c'est long les mises à jour Discord là, j'ai trop une connexion de merde. Ah mais c'est long en fait parce que je suis en train de faire une putain de mise à jour. Ah là là, vous pouvez voir aussi mes mises à jour, il y en a beaucoup. Encore j'ai fait la moitié de mes mises à jour, hein. Il m'en manque plein. Hein. Vous pouvez voir aussi la super fibre que j'ai, tu vois. C'est fibre de qualité. Hein. Putain, j'adore ma connexion de fou là. Ah ben enfin. Alors normalement il y a une mise à jour dans l'accessibilité. Ouais, c'est là. Text to speech. Maintenant ça a été modifié, maintenant vous allez pouvoir mettre si le mec il parle vite ou pas vite en fait. Ou très lentement, etc. Donc là on peut faire une preview. This is what text to speech sounds like at the current speed. Voilà. Et vous pouvez le mettre plus fort, comme ça. This is what text to speech sounds like at the current speed. Ça fait
Ça fait trop vite là. Attendez, j'ai envie de tester, genre dans mon channel d'annonce, un gros pavé là. Ouais, voilà ici. What the fuck? On comprend que ça. Oh putain. Au Discord, ils font des updates des fois. Tu comprends pas la logique. Ça a bien. J'ai bien fait d'avoir fait la mise à jour. J'aurais rigolé. C'est la meilleure update de Discord, tu vas voir. Va dans tes paramètres. Va dans accessibilité. Ouais. Et va tout en bas. Normalement, t'as text to speech. Ouais. Mets-le à fond. Ouais. Et là, tu fermes. Et là, par exemple, va dans un channel annonce où il y a un gros message, tu vois. Et là, tu fais clic droit, dicter le message. Ouais. What the fuck? What, c'est quoi cette merde? Ça sert à rien. Mais tellement, mais ils ont ajouté ça quand? Bah, il y a deux jours. Mais what the fuck, mais ils savent plus quoi inventer. Je sais pas pourquoi ils l'ont mis aussi vite. À la rigueur qu'ils mettent lentement, ok, mais pourquoi aussi vite? Qui comprend? Je sais pas, sinon. Ça m'a fait trop rire la première fois que j'ai mis, mec. What the fuck, mec?